Coucou tout le monde, c'est Marshmallow LPS. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous fais un haul my LPS et je vous présente toutes mes chauves-souris Pet Shop. Donc j'en possède 6 actuellement et sur ce, je vais pas plus parler et puis bah on commence tout de suite. Donc je vais pas faire par ordre d'acquisition parce que je me souviens plus du tout dans quel ordre je les ai eues. Mais on va commencer par celle-là. Donc je l'aime beaucoup, c'est une de mes chauves-souris favorites. J'aime beaucoup son motif sur ses petites ailes avec les petites lunes et les petites étoiles. Je trouve ça trop sympa. Et voilà, elle est mignonne. On enchaîne avec cette chauve-souris. Donc je viens de découvrir à l'instant que c'était une édition spéciale parce qu'elle a le petit logo LPS avec la petite empreinte de patte et je savais pas du tout, donc c'est une sacrée découverte. Donc voilà, je suis trop contente. Elle est mignonne, j'aime bien, elle est assez simple, mais comme je le dis souvent, j'aime bien les Pet Shop qui restent simples et bah voilà, elle est trop mignonne. On continue avec celle-ci, donc c'est la chauve-souris trotteur, je sais pas si ça se dit comme ça. Elle a les petites roulettes juste là, donc normalement en fait elle se mettait sur sa tête comme ceci et puis elle avançait avec les petites roulettes justement. Mais elle marche plus malheureusement. Donc c'est pas grave, mais elle est mince, j'aime bien. Après elle est pas non plus dingue, mais elle est mignonne. J'aurais préféré qu'elle soit non trotteuse entre guillemets, mais bon, c'est comme ça. On a cette chauve-souris qui est à paillettes, je la trouve magnifique celle-là. C'est limite elle qui aurait dû être l'édition spéciale, je trouve, tellement elle est magnifique. Je l'avais utilisée pour le LPStober de l'année dernière. Je vous mettrai la vidéo à ce propos dans le i en haut à droite, c'était un challenge sur Instagram pour Halloween. Et voilà, il y a pas mal de gens qui avaient participé sur Instagram. J'avais trop aimé cette photo avec la chauve-souris, c'était une de mes favoris. Enfin bref, on continue avec celle-ci. Elle est trop mimes, elle est en velours et elle est en super bon état pour un pet shop en velours, parce qu'il faut savoir que les pet shops en velours ça se déglingue en moins de 2. Et c'est trop dommage, je trouve qu'elle se déglingue en moins de 2, enfin bref. Mais je suis trop contente que celle-là soit en bon état et elle est toute douce en plus, donc ça fait trop plaisir. Et elle est mignonne en plus. Et je viens de voir qu'elle a qu'une dent par contre. Elle a une dent à droite mais pas de l'autre côté. C'est ultra bizarre, enfin bref, je sais pas si c'est d'origine ou si c'est quelqu'un qui avait ajouté la dent, mais bon, c'est trop bizarre. Et donc du coup la petite dernière en chauve-souris c'est celle-ci, donc elle fait aussi partie de mes favorites. En fait je crois que toutes les chauves-souris je les aime bien, donc bon, elles sont mignonnes. Je sais pas combien il m'en manque, je serais étonnée de voir combien il m'en manque justement. Faudra que je check sur LPS Merch quand je ferai cette vidéo, genre quand je la montrerai. Parce que de toute façon, il faudra que j'aille chercher les packs et les numéros des Pet Shop. Mais bon, elle est mignonne celle-là en tout cas. Elle est trop mimes. J'aime beaucoup ses yeux, genre par exemple, là, quand je la mets comme ça, je trouve, je sais pas, la caméra, ça rend trop bien. Enfin bref, en plus les yeux, ils brillent de ouf. Ça fait trop plaisir les Pet Shop comme ça, qui sont magnifiques. Et qu'ils ont les yeux comme ça, qui brillent quoi. Ça rend trop bien. Donc bah voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, bah, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait et de mettre un petit like avant de partir, ça fait toujours plaisir. Et en commentaire, bah, n'hésitez pas à me dire vous avez combien de chauves-souris Pet Shop et ce que vous avez pensé de ma collection. Et bah moi sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et bisous tout le monde.